Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Simon et aujourd'hui nouvelle vidéo particulière on va dire. J'ai décidé d'essayer de percer sur TikTok. On va voir ce que ça va donner, on va publier des vidéos chaque jour. Pour l'instant on est à 24 abonnés. L'objectif ça va être de faire plusieurs vidéos par jour, les publier sur TikTok, voir ce qui marche pas. Et essayer d'avoir un maximum d'abonnés en une semaine seulement. Alors quand je dis faire plusieurs vidéos TikTok, c'est pas une, deux ou trois, c'est faire vraiment 5 vidéos TikTok au moins par jour. Vraiment essayer de donner le maximum, faire des vidéos à la con, comme faire des vidéos intéressantes qui peuvent potentiellement marcher. Le but c'est vraiment essayer de percer sur TikTok. Est-ce que à la fin de cette semaine, j'aurai plus de 100 abonnés, oui ou non? Est-ce que j'aurai plus de 500 abonnés? Ça me paraît compliqué. Oui ou non, la réponse s'affiche au-dessus. Et plus de 1000 abonnés, la réponse s'affiche au-dessus. Si c'est le cas, je serais très heureux parce que pour avoir fait 50 abonnés en 2 ans sur ma chaîne YouTube, c'était très compliqué. Une vidéo très spéciale, 50 abonnés déjà. 51. Et d'ailleurs, on est 4500, je vous remercie. Et d'ailleurs, on a pété le million de vues au total sur toutes mes vidéos cumulées sur ma chaîne YouTube. Et pour ça, je vous en remercierai jamais assez puisque je peux dire que j'ai tapé le million officiellement. Tous les jours, j'ai tourné des vidéos avec vous pour faire un point de où est-ce qu'on en est. Si ça marche, franchement, je suis trop heureux. On se retrouve plus tard pour la suite. Je balance mon faux, je viens pour froisser l'instru, t'as capté la gestu. Alors, on est environ 2 heures après que j'ai commencé l'intro de la vidéo. J'ai posté du coup 2 TikTok ce matin, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai montré. Il y a un TikTok qui est en train de percer, il a plus de 6000 vues en 1 heure. Je ne sais pas comment c'est possible, mais j'ai trouvé la recette de TikTok. Non, en vrai, je suis content. Ce premier jour commence très, très, très bien, on va pas se mentir. Alors, on se retrouve à la fin de ce jour numéro 1 des tentatives de perçage sur TikTok. Et autant vous dire que je suis très très étonné parce que comme vous avez pu le voir sur les screens dernièrement, il y a des vidéos qui ont très bien marché. Sur les 4 vidéos que j'ai postées, il y en a une qui est à 10 000 vues et l'autre qui est actuellement à 44 000 vues. Il y a encore 30 minutes, elle était qu'à 30 000, donc elle fait que de monter. Et en termes d'abonnés, je suis à combien? Je suis à 121 abonnés comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc voilà, j'en espérais pas tant pour le premier jour et pourtant ça s'est très bien passé. Donc l'objectif c'est très clairement de passer les 1000 abonnés d'ici la fin de la semaine. J'espère qu'on va y arriver. J'ai prévu plein de TikTok à tourner pour ces prochains jours. J'espère vraiment faire autant de vues, générer autant de vues que ces derniers TikTok. On va voir ce qui va se passer et je vous retrouve demain pour la suite. Les amis, on se retrouve à J14, grosse dinguerie. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai commencé sur TikTok. Petit résumé en 2 semaines de ce qui s'est passé. De toute façon, comme vous l'avez vu avant, ça a éclaté. Je suis en 2 semaines à... Là, ce soir, j'aurai 7000 abonnés. Je suis à 6700, je crois, à peu près. Ce soir, c'est sûr, j'aurai les 7000 abonnés. Je suis à peu près 300 000 likes au total sur mon compte. J'essaie de poster régulièrement. Il y a des jours où c'est compliqué et des fois, pendant 2-3 jours, je vais pas avoir de motif. Je vais rien poster. Comme ça a été le cas la semaine dernière. Puis d'un coup, une vieille vidéo de 10 jours à buzz de fou, genre vraiment. Et puis ça a amené une autre vidéo à plus d'1 million de vues. Bientôt 2 millions d'ailleurs, et ça m'a grave relancé. Du coup, tous les jours là, je repose des TikTok au moins 2 par jour, si je peux environ 4. C'est une grosse dinguerie au niveau des chiffres, ça marche très très bien. Comme je vous ai dit à la base, c'était sur 2 semaines que je comptais faire la tentative pour percer sur TikTok. Au final, je vais le faire sur 1 mois, puisque bah, comme j'ai pas été assidu certains jours, qu'il y a des jours où, bah, comme je vous ai dit, j'ai rien posté, je le fais sur 1 mois. Et ce que j'aimerais faire, c'est simplement continuer sur TikTok et pourquoi pas tous les mois vous faire un récap de ce qui s'est passé, de comment ça a augmenté, etc. Peut-être que ça peut vous plaire. D'ailleurs, grosse dinguerie depuis vendredi 29 ou 30 avril, je sais plus trop. Plein de gens me reconnaissent, que ce soit des gens de YouTube qui me disent bah Simon, qu'est-ce que tu fais là? Ou j'ai eu le droit à... Ah putain, mais c'est pas toi qui a fait une vidéo tuto roulé un jour. Il y a un mec qui a dit ouais, les vrais connaissent depuis ses scripts, etc. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont reconnu de YouTube. Donc ça montre que bah je suis affiché à beaucoup plus de personnes puisque tout ça ça se passe depuis vendredi. Des gens de ma classe également m'ont vu dans leur pour toi alors que je leur ai jamais partagé mon TikTok. Des amis de ma copine également m'ont reconnu, et de toute façon vous avez les screens, et lui ont envoyé des messages par rapport au fait qu'il m'ait vu dans leur pour toi. Bref, ça commence à bien prendre, à bien marcher. Objectif à la fin du mois, si possible, avoir les plus de 10 000 abonnés, hein, comme ça je pourrais dire que je suis un plus de 10 officiellement. En tout cas, ça se porte très très bien. Et du coup, je vous l'ai pas encore dit, mais suivez-moi sur TikTok, il s'affiche à l'écran. Je suis désolé pour la coupe de cheveux qui est éclatée parce que je sors de la douche, mais voilà, la rue la vraie. Je vous retrouve prochainement et moi je vais continuer les TikTok à balle. Ciao. Eh bien, on se retrouve pour la fin de ce premier numéro d'essayer de percer sur TikTok en 1 mois. Au final, je pense que tous les mois vous allez avoir des épisodes pour essayer de percer sur TikTok. Donc, pour résumer, en 1 mois, on est passé de 20 abonnés à 16 000 abonnés, c'est juste énorme. Franchement, je pensais pas faire autant en 1 mois. En 1 mois, j'aurais pensé faire peut-être 2000, 3000 max. J'ai eu quelques complications, quelques vidéos qui ont été supprimées, puis j'ai fait des demandes pour qu'on les remette. Au final, ça a été remis. J'ai eu pas mal de problèmes avec ça. J'ai désormais accès au fonds créateur.
utilisateurs, c'est-à-dire que je peux commencer à avoir de l'argent avec TikTok. Si ça vous intéresse, sur combien est-ce que ça rapporte, par exemple pour 1000 vues, par rapport à moi ce que j'ai généré, dites-le moi dans les commentaires. Petite précision, j'estime ne pas avoir percé sur TikTok, bien entendu, parce que j'ai que 16 000 abonnés, mais franchement, en un mois, j'aurais jamais pensé faire autant. En même temps, je me suis quand même donné les moyens. Et donc là, je vais essayer de continuer dans cette lancée. Il y a de très très grosses surprises pour l'épisode 2. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir un petit peu. Petite précision également au niveau des statistiques qu'on a faites en un mois. En un mois, on a fait à peu près 450 000 likes au total sur tous mes TikTok. C'est énorme, un demi-million pratiquement. On a atteint les, comme je vous ai dit, 15 000 abonnés ou 16 000, je sais plus trop. Voilà, on va essayer de faire la même chose si possible pour le mois qui arrive. Et je vous assure que cet été, il va se passer des choses de fou. Cet été, 100 000 abonnés, je vous le dis. Puisque bien entendu, là, à l'heure actuelle, les gens sont en cours. Donc, il y a beaucoup moins de personnes qui regardent TikTok. Contrairement à quand j'ai commencé à la fin du confinement. Mais là, je pense que cet été, ça peut décoller de fou. Donc, je vous conseille de suivre cette série. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche et à commenter cette vidéo. Vous allez avoir une petite compilation de quelques TikTok en plus que je vous ai pas montré. Je pourrais pas tous vous les montrer parce que j'ai dû en faire peut-être 40, 50 en un mois. Ce serait trop long. Moi, ce que je vous propose, c'est juste de vous abonner à mon TikTok juste ici, de regarder un peu mes TikTok et dites-moi si vous venez de YouTube. Dites-le moi dans les TikTok, dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous avez des idées de TikTok que je pourrais faire ou quoi, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir. Et peut-être que je peux lancer un deuxième compte TikTok. On va essayer de percer encore plus et ce sera des vidéos totalement différentes que ce que je fais actuellement. J'en dis pas plus. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous en voulez plus des vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était Simon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Nouveau test de poumon sain. Attention, celui-là est très très dur. Défie tes amis pour voir si eux aussi ils vont y arriver. Waouh, la prononciation du mot grand-mère. Comment toi tu dis? Je balance mon flow, j'ai pour froisser l'instru. T'as capté la gestu. Nouveau spliff dans la main, ouais, je t'emmène la tête pour faire un tour dans le 4 anneaux. Tu me déçois, tu me dégoûtes, kitsch, nouveau son, nouveau rap, nouvelle piste. Toujours présent dans la kitchen, à grind des rappeurs pour les doubler, pas besoin d'accélérateur. Et je fais ça bien, j'ai pas le choix, ce mode de vie c'est mon quotidien. Je suis pas dans les quotas, mais je suis dans l'équatop. J'ai qu'un objectif, aller vers le top. Aller sur la prod, je fly, jamais tu ne verras mes failles. Aller sur la prod, je fly, sur de moi comme quand je te passerai la balle de fiançailles. Je n'ai pas le time pour cette bitch, ma princesse a des faux, s'il a des yeux de biche. Quand tu déhanches ton corps, soit aussi synchro que mon flow sur l'instrumental. Laisse de billets, il en pleut dans ma chapeau. J'ai un tout raflé, mettre le micro en feu. Je te mets la dose de flow, je suis peut-être. Donc j'étais tranquillement en train de regarder le Planet Rap de Fianso sur mon PC, en train de manger, quand tout d'un coup, des personnes rentrent dans ma chambre. Jusque-là, rien d'anormal, je vais avec mes parents, je vois mon père qui rentre dans ma chambre. Juste derrière, qui est-ce que je vois? Ma mère. Il ne rentre jamais à deux dans ma chambre d'habitude. Je comprends très rapidement qu'il y a un petit souci, et je les vois grand sourire. Dans la seconde même, je comprends qu'ils sont tombés sur mes TikTok. Je t'ai pris ton cœur, t'as pris le mien, tous deux en otage. Même si j'ai peur, je profite tant que l'amour se propage. Je suis pas contre quelques propales, je suis népal. Mon flow est ma drogue légale et légale. Jamais je m'égare, je te fume comme un pétard. On s'oublie tard, moi j'oublie rien, surtout que je dois rien à personne. Faudra pas venir gratter quand je toucherai les sommes. Ça c'est le défaut des hommes. Ma place est devant le microphone, je t'observe au microscope. Au mac, je scope précis comme sur BO2 avec un balista. À bas l'histoire, à bas le réel, je kick, je fais ça tous les soirs. Mon appli note me sert de déversoir. Je suis pas sujet à diversor. Je prends la doudoune quand l'hiver sort. Je les envoie dans ce coupe, c'est une hyperbole de que je vis que toi flou va chez Atoll. Les opticiens sont petits soins, vendent toujours plus et faire du chiffre. Oui, ils sont prêts à tout comme ton pote qui tuerait pour un bout de shit. Sur ce freestyle, je déchire, ce n'est pas un ego trip. Je ne cherche qu'à m'enrichir, je manie les mots pour qu'ils t'arrivent au trip.